On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va s'intéresser à Apple, à la Chine, aux délocalisations. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Les conditions de travail dans les usines produisant l'iPhone en Chine créent la polémique. Le New York Times s'est rendu chez le principal fournisseur d'Apple, Foxconn. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat est sévère envers la pomme. Le succès de la marque se fait-il au prix de l'exploitation de la main-d'œuvre en Asie? Faut-il croire les dirigeants d'Apple dans leur volonté d'améliorer le système? Le constructeur est-il le seul à produire dans les usines de Foxconn? Et enfin, pourquoi la pomme est-elle systématiquement pointée du doigt? Débat en compagnie d'un industriel, Philippe Sprour, le patron de la scie. On refait le Mac, épisode 89. Faut-il boycotter Apple? Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur le portail Hightech Clubic et sur électronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCrit. Avec comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, moi cette semaine je suis allé chercher des nouveautés au Midem, au marché de la musique à Cannes. Alors j'ai trouvé plein de trucs, on en reparlera. Au moment des coups de cœur, j'ai surtout trouvé une angine absolument carabinée. C'est l'angine la plus chic du monde parce qu'elle avait chopé une angine sur la croisette, mais il faisait un temps, mais c'était horrible. Il y a donc une justice, Cédric. Autre chroniqueur que vous connaissez bien, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué, bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Ben moi aussi, je pense que je suis en train d'attraper une angine, mais à Paris, c'est effectivement moins classe. Et je suis quand même assez étonné que Cédric soit allé au Midem. Je m'étonne qu'il y ait encore des choses à dire dans le monde de la musique numérique. Mais si, parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de transformer le Midem, qui était vraiment un truc uniquement de la musique, où en gros, tu vois, t'avais les représentants des ayants droit de la musique allemande, de la musique machin, t'avais des pavillons par pays, enfin, on s'en foutait, quoi, c'était pas très important. Et maintenant, il y a énormément de start-up, des concours de start-up, il y a beaucoup de trucs, des applications mobiles, on en parlera tout à l'heure. Il faudrait un jour faire une émission de là-bas, moi, je dis. Autre chroniqueur habituel dont refait le Mac, c'est Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour, Rodrigo. Salut, Olivier. Salut à tous. Et vous savez quoi? Non. Le deal dont je vous ai parlé la semaine dernière, ça y est, il est closé. C'est pas vrai. Et mais ouais. Et en plus, j'en ai fait un deuxième dans la foulée. Et on connaît pas les noms, on sait rien, quoi. Ah bah non, la foulée. Donc ça nous intéresse pas. Mais bien sûr que si. Tu sais ce qu'on dit chez moi? Non. On raconte les miracles, mais pas les saints. Ah, chez moi, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, mais bon, c'est pas. et dernier invité ce soir, un invité exceptionnel, c'est Philippe Sprouch. Bonjour Philippe. Bonjour, je suis à Zurich, j'achète du chocolat. Oui, vous êtes accessoirement. Et la marmotte met le chocolat dans l'aluminium. Et vous êtes accessoirement le patron et le cofondateur de la scie, l'un des leaders mondiaux des disques durs externes. C'est une boîte française, plutôt chef de file d'un secteur high-tech, c'est plutôt rare, hein, Philippe de nos jours. Oui. L'high-tech en France, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, on est bien d'accord. Vous qui avez connu, vous avez vécu, oui, à Berkeley, dans la Silicon Valley notamment. Mm-hmm. Bah, en gros, il y a quoi? Il y a vous, il y a Arcos. Il y a Parrot. Il y a Parrot. Et We Things, ouais. Et We Things, c'est ça. Ouais, ça donc tient, ça, on a eu ça le tour. C'est pas le président de la République française qui a dit il y a pas longtemps à la télé devant tout le monde qu'il n'y avait pas de fabricants de consumer electronics en France? Mais écoute, ça fait plaisir. De fabricants, non. Des concepteurs, il y a. Des fabricants, non. Alors, messieurs, revenons à nos moutons. Faut-il boycotter Apple? C'est la question posée en filigrane par le New York Times la semaine dernière, un article qui a fait pas mal polémique suite à l'explosion dans une usine de Foxconn, hein, le principal fournisseur d'Apple, qui produit notamment l'iPad et qui a fait 2 morts et 12 de blessés. Alors, première question, je vais me tourner vers Monsieur X. Apple, aujourd'hui, Monsieur X ne dispose plus d'usine en propre.
que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Bah, ça fait très longtemps, Olivier, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà de votre époque, c'était déjà le cas ou... Oui, alors, il y avait encore... moi, quand notamment j'ai eu... à Cork, hein, à ouais. Cork il y a ouais, le... en Irlande. Quand je travaillais chez Apple, encore une grosse activité à Cork, mais ce n'était pas tant de la fabrication que de l'assemblage. À savoir que bah, sur un certain nombre de machines, comme les machines haut de gamme, les fameux Power Mac, il pouvait y avoir de l'assemblage final. Mais le mouvement de, on va dire, de délocalisation de la fabrication des produits électroniques, et ce n'est pas spécifique à Apple, hein, moi je l'ai vécu chez Hewlett-Packard avant Apple, ça a commencé très sérieusement au début des années 90, et puis dès le milieu des années 90, au-delà de la fabrication, c'est même la conception qui est partie en Chine. Et on va dire qu'à la fin des années 90, la messe était dite. Donc on en est aujourd'hui plutôt à regarder les conséquences. Philippe, c'est un phénomène que vous avez également observé, j'imagine, vous qui étiez à ce moment, aux années 90, vous étiez aux États-Unis à l'époque, hein, c'est ça, au siège de la CIA. Oui. Au siège de la CIA, on a gardé une petite usine d'assemblage, justement, dans l'Oregon, une autre au sud de Paris, mais comme Apple, le gros de notre activité est fait en Chine. Alors, en clair, Apple n'a pas vraiment été la locomotive de du phénomène de délocalisation en Chine. C'est quelque chose qui s'est instauré dans tous les secteurs de l'industrie, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, la capitale de la Silicon Valley, c'est plus tellement San Francisco, ou Palo Alto, ou encore Cupertino, mais c'est plutôt Shenzhen. Ce sera vrai dans 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire Shenzhen, c'est une ville en Chine, hein, il faut quand même préciser. Une ville-usine, on peut dire. Quand les Chinois seront passés de l'ère du copycat, hein, c'est-à-dire je copie ce qui se fait de mieux ailleurs, et quand ils se mettront à investir lourdement dans la recherche et le développement. C'est ce qui se passe déjà, dans une moindre mesure, chez des géants chinois comme Haier, chez tout ça. Mais non, aujourd'hui, pourquoi on délocalise? Alors, tout le monde te dira, parce que, évidemment, le tarif horaire est moins cher. Oui, ouais, c'est une question de coût du travail. Hein. C'est même plus ça le problème. Moi, j'ai été frappé, vous pouvez aller chercher sur YouTube, d'une discussion en septembre dernier, sur scène, entre Eric Schmidt, patron de Google, et Marc Benioff, patron de Salesforce, qui lui disait, mais alors, comment on va faire pour réindustrialiser le pays? Et Schmidt lui dit, attends, mais stop, c'est bullshit. On ne va pas produire en Chine pour faire des économies, parce que... Ah, dans ces produits-là, le prix horaire de la main-d'œuvre, finalement, c'est pas si grave que ça. Ce serait pas beaucoup plus cher de produire chez nous. Non, on le fait parce que on n'a plus le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne saurait plus produire les mêmes choses avec le même niveau de qualité et avec, on va dire, la même flexibilité. Quand on va produire en Chine aujourd'hui, on achète, bon, évidemment, du prix, mais on achète aussi un savoir-faire et surtout beaucoup de flexibilité. Et c'est ça le cœur de l'article. Alors, on va se tourner vers Philippe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, vous qui connaissez pas que vous connaissez bien, il faut que je l'arrête de manger mes mots, le process de fabrication de cette industrie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les principaux acteurs de cette industrie, dont vous, même si c'est un acteur un peu particulier, puisque vous ne construisez pas les mécaniques, hein, fabriquez les boîtiers et l'électronique qui est derrière. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les principaux acteurs ont la capacité de revenir et de réindustrialiser leur pays, leur principal pays où ils sont natifs? L'Europe et les États-Unis ont toujours le savoir-faire. C'est vrai qu'en dehors, du coup, il y a le problème de la flexibilité. Aux États-Unis, elle existe encore un petit peu. En Europe, elle n'existe pas. C'est-à-dire que si on souhaite... rouvrir une usine avec un millier d'employés, on ne peut pas dire qu'elle fera 800 employés en 2014 et 1200 en 2015. Et c'est un énorme avantage qu'ont les Asiatiques dans ce domaine-là. Ça n'est pas que le prix, mais ça n'est clairement pas le savoir-faire. Il existe en Europe et aux US. Et le fait qu'une entreprise n'est pas d'usine, hein, puisque c'est le cas d'Apple, il y a de plus en plus dans le secteur... de l'industrie en général, des entreprises sans usine. Et l'une des plus, les plus connues en France, c'est Alcatel. Hein. C'était l'objectif de son ancien président, Serge Turuc, pendant des années. Hein. C'était son leitmotiv. C'est quelque chose qui ne vous choque pas, se dire qu'aujourd'hui, une entreprise n'a plus son outil de production. Philippe. Il faut savoir que même en Chine, les noms qu'on a cités, ce sont des usines d'assemblage. Donc, beau faire 200 000 employés, ça reste de l'assemblage avec une partie un petit peu plus complexe qui est le composant monté en surface. Donc, on met des petits bouts de chocolat sur une plaquette. Mais le métier d'Apple reste de sélectionner et d'imposer des développements à des fabricants de composants qui ne sont pas Apple, donc à des gens qui vont fondre des composants. Et ça, c'est un énorme savoir-faire. Donc, le savoir-faire reste chez Apple. Et en assemblant un iPod ou un iPhone, le sous-traitant chinois n'apprend pas à faire un téléphone
ou un produit électronique. Donc messieurs, revenons à l'article du New York Times. Il met en lumière des conditions de travail pour le moins difficiles, avec des heures supplémentaires excessives qui peuvent conduire à travailler jusqu'à 7 jours par semaine. Le fait de vivre dans des dortoirs bondés, dans ces usines villes. Hein. Le fait de faire travailler parfois des jeunes, pour ne pas dire des mineurs. Hein. Mais ça reste à prouver. Sans parler des accidents et de l'impact sur l'environnement. Le moins qu'on peut dire, c'est le constat est très sévère envers Apple, voire très sombre. Voilà ce qu'avait répondu Steve Jobs à Walt Mossberg, c'était en 2010 lors de la conférence D8. Écoutez Steve Jobs. Foxconn is not a sweatshop. Lorsque vous allez à cet endroit, d'accord, c'est une usine, mais mon Dieu, je veux dire, ils ont des restaurants et des cinémas et des hôpitaux, même des piscines. Et je veux dire, pour une usine, c'est une usine assez sympa, assez agréable. Alors messieurs, on peut vraiment dire que la ligne de défense de Steve Jobs était la meilleure, voire carrément maladroite, voire carrément scandaleuse, on peut le dire. Philippe, vous qui connaissez bien ce milieu, puisque vous êtes un industriel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'effectivement, par exemple, il y a des mineurs qui travaillent dans les usines? Alors, on fait des audits dans nos usines et il y a des choses qu'on peut contrôler facilement, donc le travail des mineurs. On n'en trouve pas. On est tombé une fois sur un gamin dans une usine, c'était le fils d'un cadre, et on a fait tout un scandale avant de comprendre les Chinois qui nous disaient « mais il ne travaille pas ici, il est juste deux jours en vacances ». On l'a contrôlé et c'était exact. Donc on peut facilement éviter le travail des mineurs. En revanche, les heures supplémentaires non payées, les dortoirs bondés, c'est plus subjectif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut le contrôler facilement? On a un peu plus de mal. Ça doit exister, mais on le voit tout de suite, entre une usine où les ouvriers sont heureux et une usine où les ouvriers sont fatigués, on le reconnaît, on le retrouve au niveau de qualité, ça n'a pas toujours d'intérêt à aller au moins 10 ans. Encore faut-il, Philippe, vouloir ouvrir les yeux? Parce que pour voir, il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on a vraiment... Je pense que les journalistes ont fait... les journalistes et les consommateurs ont fait leur boulot. On le fait certainement parce qu'on est des gens sympas, mais surtout parce qu'on a peur du client. On pense que le client ne nous passera pas ce genre d'erreur. Et donc, si on fait des contrôles aussi importants au niveau non seulement de la qualité de notre produit, mais l'environnement de travail, c'est parce que la sanction peut être la mort pour une entreprise. Donc, le boulot a été bien fait du côté des associations de consommateurs. On l'a vu avec Nike il y a quelques années aux États-Unis, hein, c'est ça, Philippe? Oui, il ne faut pas croire qu'un patron d'entreprise prendra une décision aussi difficile que celle d'augmenter ses coûts en changeant d'usine s'il n'a pas peur d'une sanction. Donc oui, il est important que le consommateur vote avec ses pieds en rentrant dans un magasin et choisissant nos produits, mais aussi nous botte le derrière si on fait une bêtise aussi grave que d'aller dans une usine où les gens sont très maltraités. Alors, quelle est la ligne de défense d'Apple? Mais bon, la première ligne de défense, on l'a vu ensemble avec Steve Jobs, elle est un petit peu maladroite. Cédric, pourquoi finalement Apple ne dit pas ce que finalement tout le monde pense, à savoir qu'aujourd'hui tous les grands acteurs de l'électronique produisent en Asie et produisent en Chine et notamment avec Foxconn? Le papier New York Times, il est remarquable pour deux choses. Il est remarquable parce que, un, ils ont fait parler des gens d'Apple à l'intérieur, qui évidemment ne sont pas cités nommément parce que c'est impensable. Et du coup, ça met en exergue le vrai problème, en fait, une espèce de dualité à l'intérieur d'Apple. Il y a deux impératifs. Il y a, comme l'a dit Philippe, ils n'ont pas envie de faire bosser des tortionnaires. Ils ont envie que ça se passe bien, en fait, dans l'ensemble. Mais en même temps, et on le sent bien, à un moment, il y a des impératifs de flexibilité, c'est-à-dire que tout à coup, si le mois prochain, il faut arriver à produire, je dis une bêtise, 5 millions d'iPad en plus, ils savent bien que si ça se fait, ça va se faire au prix d'heures supplémentaires assez tragiques pour les gens, etc., etc. Donc, et ils ont du mal à gérer ce double impératif. C'est très dur quand tu es une société de t'interdire de produire des produits dont tu sais que tu les vendras tout de suite, quoi. Ouais. Donc, c'est en gros, ça équivaut à refuser de l'argent. Et chez Apple, ils savent pas plus faire que chez les autres. Est-ce que ils le disent pas eux-mêmes? Le papier cite d'autres marques. Hein, ils disent Toshiba, HP, etc., etc. Bien sûr, c'est tout le monde. Dell, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, hein, c'est ça qu'on trouve. Mais bien sûr, Nokia, Sony, Toshiba, Nintendo, bien sûr. Enfin, si vous avez un appareil électronique dans la main, il sort d'une de ces usines, sauf exception aujourd'hui. Donc, le problème est le même pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on se retourne vers Apple? Un, parce que ce sont aujourd'hui, sur ces segments de marché-là, les plus gros, et donc les plus gros commanditaires, et donc ceux qui pourraient avoir le plus de pouvoir sur ces sous-traitants. Et puis aussi parce que
bizarrement, du fait de l'image d'Apple, on en attend plus d'un Apple qu'on en attendrait d'un Dell, d'un Acer. Avec cette image d'entreprise un peu citoyenne, c'est ça que tu veux dire, Cédric? Voilà. Et le truc, c'est qu'ils ont les moyens de faire des choses et ils font des choses. Et moi, je suis persuadé qu'ils ont fait des choses et qu'il y a des procès qui leur sont faits qui sont de mauvais procès. Alors, mais en même temps, comme on dit dans Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Monsieur X, alors toi qui avais vécu, même il dormait chez Apple, fut un temps, toi qui connais bien de l'intérieur de l'entreprise, alors Tim Cook a répondu hein, à l'article du New York Times, ça montre la portée et l'impact de cet article aux États-Unis pour que Tim Cook, le patron d'Apple, le fasse directement dans un mail adressé à ses salariés, mais évidemment qui a été qui a fuité, vous pensez bien, et il se défend en disant. Que c'est vrai qu'ils mettent en place des process de contrôle relativement au niveau d'exigence auprès de nos partenaires. Nous avons détaillé récemment beaucoup de progrès et amélioré les conditions de centaines de milliers de travailleurs. Nous ne connaissons personne dans notre industrie qui en fasse autant que nous dans autant d'endroits et qui touche autant de personnes. Monsieur X, un faux ou un tox? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que l'entreprise du temps de Steve Jobs était moins sensible à ces problématiques, certainement, qu'elle ne l'est avec Tim Cook à sa tête aujourd'hui. Moi, j'ai assisté à des sessions de questions-réponses entre Steve Jobs et des employés, notamment des jeunes employés de Cupertino, on ne parle pas de la Chine, là. Ouais. Qui disait on a beaucoup bossé, quand est-ce qu'on va avoir plus de vacances et peut-être des augmentations? Et Steve de leur répondre, quand vous travaillerez pendant 10 ans à votre âge, 70 à 90 heures par semaine comme moi, vous viendrez réclamer ensuite. Le simple fait de travailler chez Apple est un bonheur. Donc tout ça pour illustrer qu'il était certainement moins sensible que Tim sur ces sujets-là. Je pense que Tim Cook a conscience de ça, forcément de par son ancien job et son job actuel, et qu'ils ont vraiment fait des efforts, et notamment des efforts de communication, ce qui, ça, est très nouveau. Parce que si vous allez sur le mini-site presse d'Apple, mini, notamment, hein. Mini, en partant du site américain, donc apple.com/PR, vous allez retrouver tout le processus d'audit des fournisseurs et toute la communication qu'Apple a fait. Alors, ça prouve l'énergie que Apple y met avec Tim Cook, mais comme toute communication, c'est à double tranchant. Quand on dit on est super, à l'heure de l'Internet aujourd'hui, et irréprochable. Qu'on est une boîte et irréprochable et qu'on est une entreprise très en visibilité et la première au monde, eh bien, on a beaucoup de gens, à commencer par nous, qui vont se faire évidemment un malin plaisir d'aller vérifier ça. Et je pense que même si Apple travaille plus sur le sujet, ils auraient été bien inspirés d'attendre un petit peu. Alors, voilà. Concrètement, Apple a dicté, on en a déjà parlé dans cette émission, un code de conduite pour qui, du moins sur le papier, se montre très sévère envers les fournisseurs qui ne respectent pas le niveau d'exigence d'Apple. Et c'est vrai, on l'a dit la semaine dernière et puis on l'a dit aussi il y a 15 jours, qu'Apple a publié pour la première fois, Cédric, hein, la liste de tous ses fournisseurs et qu'en gros, ils ont 90 jours pour changer un process si quelque chose est pointé du doigt. Mais comme tu le disais, Cédric, tout à l'heure, effectivement, et les dirigeants d'Apple l'ont très bien résumé au moment de la publication des résultats financiers, ils disaient en gros, on aurait pu faire plus si les usines avaient pu produire plus. Mais comment produire plus tout en respectant les conditions de vie des salariés? Telle est l'ambiguïté. J'aurais bien voulu avoir l'opinion de Rodrigo, l'investisseur, podcasteur et entrepreneur. Rodrigo. Moi, ça me gêne, en fait, tout ce débat sur la responsabilité corporate des entreprises en Asie. Mm-hmm. Je vais prendre un exemple simple. Est-ce qu'on va arrêter de monter dans les avions d'assaut du fait qu'ils ont vendu ce matin, semble-t-il, 126 rafales qui peuvent aller tuer des gens? Pas pareil. C'est pas pareil. Non, ça, c'est pas pareil. Un, on les empêche de dormir, les autres, on va les tuer. C'est pas pareil. Ça, c'est la légitime défense, c'est pas pareil. Alors, il y a deux points de vue suivant que l'entreprise appartient à l'Est ou à l'Ouest. Mm. Moi, je trouve ça un petit peu gênant. Non, en plus, ton papier cite quelque chose. Alors après, on va parler de la compétitivité des nations. Mais rappelez-vous, la Chine, c'est un pays qui est à au moins deux vitesses. Il y a les gens sur la côte et les gens à l'intérieur. Mm. Et il paraît que les gens qui travaillent chez Foxconn quand même gagnent deux fois mieux leur vie. Ils ont de meilleures conditions que s'ils étaient restés à la campagne. Donc... Je sais pas appliquer mon système de valeurs de l'Ouest aux entreprises là-bas. Mmh. Philippe, toi qui connaissez bien la Chine, hein, puisque c'est vraiment aujourd'hui l'usine en matière du monde, hein, en matière high-tech, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie? Et finalement, plus que l'entreprise à pointer du doigt, plus qu'Apple, c'est pas plutôt Foxconn qu'il faudrait pointer du doigt, qui est surpuissant en Chine, hein, qui représente aujourd'hui 1,2 million de salariés en Chine, le plus grand exportateur high-tech de Chine.
hein, c'est pas rien. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise high-tech, concrètement, de la taille d'Apple, peut se priver d'un sous-traitant, d'un fournisseur comme Foxconn, selon vous, Philippe ? Alors pour ce qui est de la question de la pression, je pense que non. Il faut s'acharner sur Apple, sur Lassie, sur Nike, parce que le consommateur est aux États-Unis ou en Europe et qu'il va acheter un produit de marque. Donc la chaîne alimentaire fait que le consommateur est exigeant vis-à-vis de la marque existante et que c'est à nous d'aller après faire pression et améliorer notre réseau de sous-traitants. C'est aussi à Foxconn d'améliorer, comme on l'a dit, pour la Chine de l'intérieur, le sous-traitant de deuxième et troisième niveau qui est au fin fond de sa campagne et qui, lui, peut-être employer des enfants et tout le monde ferme les yeux. Donc, il y a une chaîne et il faut commencer par la grande marque et descendre. Pour le reste, non, il n'y a rien d'hypocrite. Je pense qu'on peut améliorer peu à peu la démarche dans le monde de la high-tech et qui est encore lui-même différent du monde du textile, parce qu'une usine textile part rapidement de Chine pour aller au Vietnam ou au Pakistan, où aucune des règles ne sera... Encore une délocalisation de plus, hein, on est bien d'accord. Aucune des règles ne sera respectée. Ouais. La force de la Chine est qu'ils sont en train de construire un immense écosystème high-tech et que peu à peu, ils pourront se permettre de payer plus cher et mieux... traiter leurs employés et qu'on a une chance d'y arriver. Donc oui, il faut continuer à faire la pression du consommateur vers la grande marque, de la grande marque vers le sous-traitant, vers le deuxième niveau. En clair, si je vous... j'ai peur que ça ne marche pas. En clair, Philippe, si je vous comprends bien, Apple a largement la puissance et le pouvoir aujourd'hui avec près de 90 milliards de cash aujourd'hui, presque 100 milliards de cash nécessaire pour contraindre un fournisseur de changer sa politique. Encore faut-il le vouloir. Ils le veulent, ils le feront peu à peu. Ils le veulent pas parce que ils sont plus gentils que d'autres boîtes. Ils le veulent parce qu'on sent que le consommateur aujourd'hui peut s'indigner. Donc ils vont le faire. En tout cas, ils ont plus de moyens pour le faire, de par le résultat. Ils ont le souci de, on ne change pas une usine de 200 000 employés comme on change un Apple Store dans une ville moyenne. Donc ils peuvent le faire, ils ont des obligations en termes de volume de production qui font que ça va se faire au fil de temps. Mais si on regarde comment nous, les soins que je connais, les miens, ont évolué en l'espace de 10 ans, la qualité de vie pour les employés a évolué, c'est dû à deux choses. D'abord, le marché du travail est plus tendu, les ouvriers ne restent pas s'ils sont maltraités. Ensuite, nous sommes devenus plus exigeants, et encore une fois, je le dis, pas parce que nous sommes des tendres et des gentils, mais parce qu'on sent une attente du consommateur et on ne veut pas être attrapé la main dans le sac. Olivier, je voudrais rappeler un truc. Oui, Rodrigo. La Chine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une Chine qui a 10 ans, 12 ans maximum. Si vous vous souvenez, quand on allait à Pékin, moi j'y suis allé pour la première fois en 2004, mais des gens qui sont allés avant, il n'y avait que 2 ou 3 rings autour de Pékin, maintenant il y en a 7. Ouais. Ça construit à une vitesse incroyable, les centres de congrès à Tianjin, à Dalian, poussent comme des champignons, c'est le plus gros centre d'expo du coin, voire de l'Asie, de l'Est. Ils sont en train de créer une nouvelle couche, la société de classe moyenne, qui n'existait pas il y a 10 ans. Ils vont vraiment à marche forcée. Ça n'existait pas la classe moyenne, carrément. Et donc... Comme disait Philippe à l'instant, ça va se niveler non pas par le haut ni par le bas, mais ils sont en train de créer. Voilà, ça monte tous ensemble. Hein. Qui disait les Américains, quand la marée monte, tous les bateaux montent. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer en Chine. Il semblerait que la situation de Foxconn, ce serait d'arranger les choses. Enfin, du moins, c'est ce qu'il déclare. Et notamment vouloir remplacer les salariés par des robots. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. En tout cas, moi... Naïvement, je pensais que dans le secteur high-tech, c'était quelque chose de très automatisé et qu'il n'était pas forcément une forte manœuvre. Ce n'est pas le cas, Philippe. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, je suis tombé dans une usine où quand ils emballaient notre boîtier et qu'on mettait un film plastique autour, il restait une petite bulle sur le film plastique et il y avait un employé à plein temps avec une aiguille qui l'a pété. Donc, ce n'est pas toujours très automatisé. Ouais. Mais même automatisé, une chaîne de production reste fortement consommatrice de main-d'œuvre. On voit une chaîne, on voit des automates, on voit un certain nombre de choses, mais ça n'est pas encore le niveau qu'on pourrait attendre. Mais d'un autre côté, on n'a pas cherché non plus à concevoir des produits comme on les faisait il y a 10 ans en France, c'est-à-dire des produits qui demandent 2 minutes de montage, parce que le coût de montage est vraiment insignifiant en Chine quand il était plus élevé en Europe. Donc je pense que des gens chez Volkswagen font beaucoup plus d'efforts pour connaître le coût de montage à la seconde près sur leur chaîne de production que vont le faire des gens comme Apple qui sous-traitent à Foxconn. Monsieur X, finalement, le New York Times va carrément plus loin. Hein. Il dit en clair, en filigrane toujours de cet article, que le prix de l'innovation finalement d'Apple, c'est le prix à payer finalement cette exploitation en Chine, c'est le prix à payer l'innovation d'Apple et sa capacité à produire si rapidement des nouvelles générations de produits.
Toi qui as vécu chez Apple, qui as travaillé, c'est vrai, c'est-à-dire le fait de tendre autant ses fournisseurs, de mettre une telle pression sur ses fournisseurs, fait aujourd'hui le cœur du succès d'Apple. Tu es d'accord avec ça ? Bon, alors on va pas faire une grande dissertation sur l'innovation, mais disons qu'on pourrait couper l'innovation en deux morceaux. La partie conception, donc inventer des nouveaux produits et des nouveaux services. Et là, entre guillemets, Philippe le disait, Apple n'a pas besoin de la Chine, Apple conçoit ses produits, et Apple, de ce que j'en sache encore aujourd'hui, n'a pas délocalisé sa conception, là où d'autres fabricants, et moi j'y ai participé, ont même délocalisé leur conception. C'est pas le cas d'Apple. Non, voilà. C'est encore plus bien. En revanche, la deuxième partie de l'innovation, c'est ce que j'appellerais le succès commercial ou la mise sur le marché. Et c'est légèrement différent qu'une mise sur le marché ou une commercialisation d'autres produits standards ou de produits qui sont simplement un renouvellement de gamme. Quand on introduit un nouveau téléphone comme l'iPhone, on sait qu'on va avoir besoin, parce qu'il va y avoir un gros appel d'air, le produit est très très attendu, de fabriquer des très très grosses quantités dans un très très petit laps de temps. Donc cette souplesse, ou cette capacité à fabriquer énormément en très très peu de temps, et puis derrière d'optimiser la logistique, donc d'être capable d'envoyer les produits au bon endroit, aux États-Unis ou en Europe, ou même en Chine, hein, qui est un gros client d'Apple, là il y a une vraie dépendance, et c'est vrai que là la Chine a acquis un vrai savoir-faire et en tous les cas a les outils industriels et humains pour pouvoir le faire. On ne l'aurait certainement plus ailleurs. Et ça permet à Apple, fort de sa politique du secret, de fabriquer beaucoup en très peu de temps. Et puis au jour J, quand ils lancent le produit, ils ont déjà des produits en stock, et puis de refabriquer en collant exactement à la demande et en optimisant très exactement le nombre de produits qui sont demandés par les clients dans quel pays, avec une capacité de production derrière. Et c'est toute cette optimisation logistique et de la fabrication pour les produits très innovants qu'Apple a mis en place et dont maintenant ils sont dépendants. Oui, il n'y a pas de raison que les choses changent. D'abord parce qu'il y a peu d'acteurs comparables à ce qu'on connaît en Chine aujourd'hui. Et le fond du problème, il est bien dit dans le papier. Il y a une citation d'un cadre d'Apple qui avance à visage masqué et qui dit on peut édicter toutes les règles de travail qu'on veut, mais tout ça ne veut rien dire tant qu'on ne donne pas à ces sous-traitants assez de profit pour qu'ils traitent bien leurs employés. Si vous tirez sur les marges jusqu'au bout, vous allez les forcer à la faute d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on l'a vu en début d'émission, les propos de Steve Jobs du temps de son vivant étaient assez durs. Personne n'avait été outre mesure choqué aux États-Unis par ces propos-là. Aujourd'hui, ils auraient une toute autre résonance, Cédric, parce qu'on a une période électorale, pas seulement en France, aux États-Unis aussi. Et le mot, finalement, qui est caché derrière tout ça, et la tendance qu'on sent bien aux États-Unis ou en France, notamment à gauche, c'est l'idée de relocaliser. Alors, relocaliser, ce n'est pas forcément un thème qu'en France, on le voit en image, avec notamment les déclarations de Barack Obama. C'était Barack Obama, le président des États-Unis, bien sûr. C'était en juin dernier à la Maison Blanche lors d'un jeu de questions-réponses sur Twitter. On regarde les images. Nous voulons nous concentrer sur l'industrie de pointe qui combine une nouvelle technologie, recherche et développement pour comprendre comment créer le prochain Twitter, comment créer le prochain Google, comment créer le prochain truc à la mode, tout en assurant que la production se fera aux États-Unis. C'est très bien qu'Apple crée l'iPod, l'iPad, qu'elle les conçoive et qu'elle développe leur logiciel, mais ce serait mieux qu'elle les fabrique aux États-Unis. Tu sais, Olivier, il l'a dit encore la semaine dernière dans son discours au Congrès, ouais, de l'état de l'Union. Il a vraiment énormément insisté sur la relocalisation aux États-Unis, la création d'emplois, ce qu'a repris Sarkozy dimanche aussi à la télé. Philippe, concrètement, la CIE pourrait relocaliser massivement ses industries, ses usines en Europe ou aux États-Unis, comme c'était le cas dans les années 80, par exemple? Si on peut être flexible en termes de travail, je pense qu'on peut relocaliser beaucoup de boulot. D'abord parce que les Chinois deviennent de plus en plus chers, ensuite parce que la logistique devient de plus en plus coûteuse.
Donc c'est jouable, ce ne sera pas tout de suite les disques durs USB, plutôt le haut de gamme, ce ne sera pas tout de suite les produits les plus simples, mais oui, on peut relocaliser. Mais encore une fois, je le dis, il y a un problème de coût qui est en train de se résorber, il y a un problème de flexibilité qui, lui, n'a jamais été résorbé, ni en France, ni même aux États-Unis. On n'est pas capable aujourd'hui de réagir aussi bien que le font les Chinois. Cédric disait tout à l'heure, citer Eric Schmidt de Google en parlant de flexibilité. Ce qu'il disait aussi dans cette interview et dans d'autres, c'est qu'on ne produit pas à l'Ouest aujourd'hui assez d'ingénieurs. Alors que les Chinois, eux, par exemple, juste sur l'université, les quatre universités de Dalian, ils produisent 70 000 ingénieurs par an. Nous, on doit en produire 17 000 ou 18 000, hein, si mes chiffres ne sont pas faux. Donc il y a ce problème-là, c'est qu'on n'a pas de masse d'œuvre très qualifiée pour suivre. Est-ce que quelque part, pour rebondir sur ce que tu disais au-delà des ingénieurs, Rodrigo, c'est qu'avec un tel savoir-faire industriel, un jour les Chinois n'auraient plus besoin d'être les sous-traitants, mais soit les marques qui produisent les objets high-tech de demain, et que finalement les marques historiques auraient peut-être intérêt de relocaliser pour garder un savoir-faire au cas où demain il devient des concurrents. On l'a vu historiquement, par exemple, une marque comme HTC, pour ne pas dire de bêtises, Cédric, qui est à Taïwan. Faisait l'OM pendant des années. En clair, produisait pour les autres avant de se lancer lui-même. Philippe, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, en clair si, mais C'est déjà le cas. Huawei, ils font déjà toute l'infrastructure de corps de réseau. Ils font déjà toutes les cartes 3G qu'on achète en stick. Ils ont recruté des cadres de chez nous. Je pense que c'est l'exception qui va confirmer la règle qu'on va voir rapidement, qui est on a beaucoup plus intérêt à acheter la marque ThinkPad et devenir numéro un mondial des portables que de créer sa marque. Qui a été rachetée par les Chinois. Hein. Ouais, et je pense que les Chinois vont portables d'IBM. Ouais, vont se mettre à acheter des marques. Et c'est à ce moment-là que ça fera très mal. Parce que même s'ils n'ont pas encore toute l'innovation, s'ils ont la réputation avec la marque, ils pourront, à ce moment-là, sauter l'étape de « d'abord, je rapatrie le savoir-faire, puis je construis ma réputation. J'achète la marque, j'ai un produit pas trop cher, de plutôt qualité moyenne, je n'ai pas encore innové, et j'inonde le marché. » Ils l'ont fait dans tout ce qui n'était pas smartphone et quelques autres secteurs. Le monde du PC, mais le monde du frigo, le monde des climatiseurs. Ils vont racheter une marque en Europe qui est de deuxième niveau et se retrouver leader européen mondial. Les meilleurs élèves ou étudiants en sciences et en business aujourd'hui dans les grandes écoles internationales, c'est les Chinois et les Indiens. Ils ont vraiment une classe d'ingénieurs ou de commerciaux hors pair qui sont extrêmement bons et qui rentrent chez eux maintenant développer tous les produits en appliquant chez eux les techniques qu'ils ont apprises chez nous. Ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment, ça y est, Apple, via ses fournisseurs, et je pense à Foxconn notamment, messieurs, commence à relocaliser. C'est le cas du Brésil, où il va ouvrir une usine pour la somme mirifique de 12 milliards de dollars d'investissement. Hein, c'est énorme. À la clé, c'est près de 4 à 5 000 emplois pour produire près de 6 millions d'iPads par an. Ils ont été là un peu contraints, hein, messieurs, de s'installer, puisque c'est une décision, monsieur Félix, une décision du gouvernement brésilien. Il faut d'abord comprendre le contexte, on va dire, juridique brésilien. Le Brésil, depuis de très très nombreuses années, dit à toutes les entreprises d'électronique, constructeurs informatiques, vous voulez vendre des produits chez nous, accéder le marché brésilien, et pourquoi pas d'autres marchés en Amérique du Sud, c'est très bien, mais en gros, 1% ou 2% du chiffre d'affaires que vous allez faire sur notre territoire doit être réinvesti en recherche et développement sur notre sol, dans notre pays. Donc le Brésil a commencé comme ça, c'est une manière de forcer les transferts de technologies, comme on peut le faire quand on vend des avions, par exemple, mais ça permet aussi de former des ingénieurs, comme le disait Rodrigo, et de développer le pays. Donc il y a cette première couche, et puis la deuxième couche qu'il y a au Brésil, et peut-être qu'ils sont plus malins que nous, je parle de la France ou de l'Europe, c'est à voir. Toujours sur le même constat, ils disent, vous voulez vendre maintenant en masse vos produits chez nous, il faudra qu'il y ait un certain pourcentage de ces produits qui soient fabriqués chez nous. Voilà. Et ça Sinon, ils sont taxés à l'entrée. Sinon, ils sont taxés très très fortement à l'entrée. Donc, c'est une espèce de barrière à la commercialisation qui favorise la fabrication au local. Alors, c'est un avantage, on va dire, relatif, parce que effectivement, quand on fabrique au Brésil, on n'a plus cette taxe, et puis peut-être il n'y a pas tout ce qui est coût de logistique. Mais de toute façon, Apple et Foxconn, son partenaire, n'ont pas le choix.
Et ils le font. Et ça, c'est une vraie contrainte. Ça résonne beaucoup dans ce que disait Philippe. Évidemment, les patrons et les patronnes d'entreprise réagissent aussi quand ils sont en contrat. Et c'est peut-être une direction qu'on voit au Brésil qui faudrait faire nôtre dans la région européenne. Parce qu'en tout cas, ça se propose. On va se retrouver dans cette situation qui paraît un petit peu incongrue. Apple en France, ça va être 5 à 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011, encore plus en 2012, et guère plus de 400-500 employés, y compris quand on compte les Apple Store. Et d'un point de vue avec un économique, social à... enfin, avec, deux pivots sociaux qui sont d'un côté Luxembourg pour l'iTunes Store et... Plus que ça, un siège qui est européen, qui est à Londres. Et à Londres, et l'autre, dire, une unité de production de services numériques iTunes qui est au Luxembourg, du support qui est en Irlande parce que l'impôt sur les sociétés est moins fort là-bas. Voilà, donc moi je pense que, je ne sais pas si c'est audible, mais je pense que oui, il va y avoir cette réflexion qui est de dire vous vendez dans notre région, vous vendez dans notre pays, ben, vous devez créer un nombre minimum d'emplois. Alors apparemment, c'est quelque chose qui commence à se propager en Amérique latine, notamment en Argentine, où en Argentine, le gouvernement argentin a purement et simplement interdit la vente de l'iPhone et je crois aussi des BlackBerry. Au départ, ils étaient surtaxés, là, carrément, purement et simplement interdits parce qu'ils ne sont pas produits localement. Donc on va voir quelle sera la position d'Apple. Je me tourne vers Philippe. Concrètement, comment allez-vous faire pour vendre des disques durs au Brésil? Est-ce que vous allez ouvrir une usine là-bas? En européen, il est plus intéressant aujourd'hui de regarder les marchés turcs et certains gros marchés africains que d'aller au Brésil. Donc notre priorité reste l'Europe centrale, la zone turque et certaines autres zones de développement. Voilà. Et le Brésil a décidé de fermer les portes et personne ne crie. Et tout le monde que l'Europe le fera pas un jour. Voilà, en clair, c'est aussi une proposition de pas mal de candidats à la présidentielle, notamment à gauche en ce moment en France. C'est quand même étonnant que finalement, les entreprises arrivent à se satisfaire de cette situation, alors qu'avant la prise de décision, on nous dit toujours que ce n'est pas possible. En clair, c'est possible. On peut faire une bannière douanière et imposer les constructeurs à s'installer localement. Il faut le faire, mais il faut le faire de manière brutale, ce que ne fera jamais un gouvernement européen, dans le sens où si on met une barrière, mais les chips viennent de chez TSMC à Taïwan et les tuyaux spéciaux viennent de je ne sais où au Japon, il faudra toujours payer les taux de douane pour faire l'assemblage final. Le Brésil taxe tout, donc les types sont obligés d'aller fondre leurs composants là-bas, sont obligés d'aller faire leurs tuyaux, leurs boîtiers, et ça fait 30 ans qu'ils le font sans tergiverser. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je dis simplement qu'il n'y aura pas d'industrie en Europe sans imposer il faut une contrainte. Protection de... Ouais, on ne va pas se retrouver à être compétitif en Europe du jour au lendemain. Ça a fonctionné dans un autre secteur, qui est l'aéronautique. Le Brésil a créé une très belle société de constructeurs d'avions qui s'appelle Embraer justement en forçant cela. Cédric, pour la conclusion, dans la Silicon Valley, au moment, quelle est la température, toi qui y vas souvent, par rapport à cela? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté aussi d'essayer de rapatrier parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la Silicon Valley, on le sait bien, beaucoup non, de startups dans le logistique. Il y a même de la production, mais parce que par exemple, oui et non. Moi, les plus gros que je connaisse, Intel par exemple, ils n'ont pas vraiment délocalisé leur production. Ils ont des unités de recherche en Chine, ils ont maintenant quelques unités de production. La main d'œuvre pour produire un processeur, c'est pas encore quelque chose de très... C'est plutôt très automatisé. Hein. Oui, non. Mais même s'il y a des usines en Chine d'Intel, on était ensemble d'ailleurs, souviens-toi. Absolument, et ça fait bosser le monde. Mais là, tu es dans une logique où tu n'as pas envie de te déposséder de ton savoir-faire, qui est un truc absolument stratégique, quoi. Pourquoi est-ce qu'Intel est aussi ouvert sur sa R&D? C'est parce qu'ils savent que, de toute façon, les process industriels qu'il faut inventer pour arriver à produire leur puce, personne ne peut les copier comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas faire un cookie cutter d'Intel. Il n'y a pas d'ouvriers chez Intel, hein. Il y a 25 000 ingénieurs dans les usines, mais il n'y a pas un ouvrier. Donc, il faut aussi... C'est ça. Il y a vraiment une prise de conscience aux États-Unis de ça, ou ça reste encore un vœu pieux du président Obama aujourd'hui? Le problème, c'est que quand tu achètes quelque chose, tu achètes le truc qui te plaît, et puis après, tu achètes un prix.
Et là-dessus, c'est bien gentil, mais il faut que soit qu'il y ait un mouvement de fond, parce que si c'est un constructeur, peut pas dire si demain Dell dit non, c'est fini, maintenant tout va être produit chez moi, et ben c'est pas grave, ces machines vont être 10 ou 15% plus chères, ce qui sur le papier est pas très grave, sinon que ça fera quand même une large différence avec la concurrence. Donc c'est dur d'être le seul. Il y a presque Apple qui pourrait décider de le faire, mais ça leur imposerait soit de renchérir encore le prix d'appareils qui sont pas donnés, donc de faire un peu moins de bénéfices. Mais enfin, en même temps, à quoi ça sert d'avoir 100 milliards à la banque? Moi, j'ai pas encore compris. On va peut-être pour donner l'exemple, mais c'est vrai que donner l'exemple aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quand tout est business, c'est compliqué. Monsieur... Non, mais ce qui est très important... c'est une différence, disait un slogan il y a quelques années. Ouais. Ce qui est très important du cas Apple, c'est que bon, il est symbolique. Et ce sera la conclusion. Ouais. Il est symbolique de par la marque. Il est symbolique parce que c'est devenu la première société en bourse, mais aussi parce que Apple fabrique des produits haut de gamme. Donc quand on dit relocaliser aujourd'hui ou refabriquer en Europe ou aux États-Unis, rapidement quand on discute de ces sujets, on dit oui, mais c'est éventuellement possible uniquement si on parle de produits qui ont une forte marge et sur lesquels le fabricant va pouvoir faire un petit effort. C'est justement le cas d'Apple, avec des marges brutes qui sont... bien au-delà de ce que fait toute l'industrie, avec des marges qui sont à 30, 40, 50, 60%. Donc c'est important le cas d'Apple, parce que si on n'arrive pas à le faire avec Apple, avec qui on va pouvoir le faire? Certainement pas avec Dell, qui a des marges 10 fois moins grandes. Quand ils et en donc, ont pas du c'est tout. Vraiment un sujet sur lequel il va falloir faire un suivi, parce que si... Apple ne change pas, je crois que les autres ne changeront pas non plus, ou ne pourront de toute façon même pas l'envisager économiquement. Bien, messieurs, ce sera... Oui, Philippe, un dernier mot. Il y a un sujet dont on ne parle pas, qui est le réseau de distribution. Apple a son réseau en propre, nous on passe par un réseau indépendant. Donc il faut encore plus de marge. C'est pas le sujet. Bah oui. Mais c'est surtout... Oui. Il ne nous laisse pas la chance de mettre en avant un produit local. Ah. On a fait des produits qu'on a voulu mettre en avant comme Made in Europe, Made in France, mais quand on a une enchère inversée de la part de notre retailer qui dit « je prends le moins 10 ans », il n'en a rien à faire, il ne laisse rien passer. Et ça, c'est dommage, c'est-à-dire qu'on a le réseau aussi qui ne met pas en avant la production locale et qui dit « pour 1 euro de moins, j'irai chercher un frigo chez ailleurs plutôt que prendre un frigo suédois ». Et ça vous tue, sachant qu'il vous reste quoi? Deux pays dans le monde chez qui ça ne marche pas, les Japonais et les Allemands. Eux privilégieront toujours la production locale. Et regardez où on en est l'industrie allemande aujourd'hui. Bien, mais si on aura l'occasion donc, de revenir sur ce thème, parce que j'ai le sens que ça va être encore un feuilleton. En attendant, on va passer aux questions Twitter. Alors, question Twitter de Camille Lemouelic. Peut-on envisager de produire des e-gadgets sur le territoire français? Au-delà, moi j'aurais envie de dire, et là je me tourne vers Philippe, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour un Apple français puisse émerger? Il y en a quelques-uns, mais voilà. Aujourd'hui, on dit toujours que pour une start-up, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle aille s'installer dans la Silicon Valley. Voilà. Est-ce qu'on a les conditions réunies aujourd'hui en France, économiquement parlant, socialement parlant, politiquement parlant, pour favoriser l'éclosion de start-up? Alors, si on parle du point de vue industriel, non. Si on parle du point de vue savoir-faire, oui. Il y a tout ce qu'il faut en France. C'est juste... au moment de créer sa start-up, est-ce qu'on a plus intérêt à le faire ici que dans d'autres pays d'Europe ou de le faire en Californie? La réponse est moins évidente. Ouais. Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Le succès sera un petit peu moins profitable. Il y a pas mal de questions, et ce sera ma question parce que je la reprends, hein, désolé les internautes, les tweetos, pas mal de questions sur la scie. On sait que c'est une marque intimement associée, historiquement associée avec Apple. Vous avez été l'un des premiers constructeurs à adopter le Thunderbolt, la connexion haut débit d'Intel et d'Apple. Apparemment, ça a été pas évident de l'adapter. Comment on arrive à convaincre Apple concrètement d'adopter tout de suite, d'être le premier constructeur à adopter ce type de connexion? J'ai cru comprendre qu'il a fallu batailler pas mal. Non, c'est Apple qui nous a choisis. On n'était même pas au courant du projet chez Apple. On le connaissait sous un autre nom chez Intel. Ouais. Apple nous a choisis et nous a dit de courir vite pour le sortir rapidement. On a marché sur des œufs puisqu'on travaillait en même temps qu'Apple et Intel sur une technologie innovante. C'était nouveau pour nous puisque les prototypes de composants se faisaient au même moment. On devait faire nous des produits finis.
On a eu un énorme support de la part d'Apple et Intel parce que c'était prioritaire pour eux. Et à 3, on a réussi à le faire. C'est plus éprouvant en termes de voyage pour aller à Cupertino et Israël, où se trouve le site d'Intel, de façon à arriver à faire un produit fini. Ouais. À côté de ça, c'est clairement Apple qui était leader sur la techno avec Intel. Si on arrivait à vous faire boire un petit verre de rouge, je suis sûr que vous seriez un peu moins corporate. Mais passons. Non, mais on n'était pas au courant. Nous, ils sont venus nous chercher, on ne pouvait pas avoir accès. Qui pouvait savoir qu'Apple allait lancer Thunderbolt sur sa nouvelle machine à telle heure, tel jour? Ils sont venus nous voir 6 mois avant le lancement. Ils nous 6 mois avant. Très vite. Ouais. Donc, vous saviez 6 mois avant que les Mac allaient être équipés de Thunderbolt? Un peu plus, 9 mois avant, oui. Il faut nous appeler dans ces cas-là, Philippe. Et ils nous ont dit qu'ils referont peut-être l'expérience avec nous parce qu'on a été une des rares partenaires où ils n'ont pas eu un tweet, un site web d'un de nos ingénieurs qui parlait du projet. Bah. Et je suis un peu épaté parce que nos gars, en général, parlent beaucoup. Ben oui, c'est ce que j'avais oui dire, mais bon, passons. Et Thunderbolt, concrètement, vous pensez que, que ça a vraiment un gros avenir, que ça peut concurrencer et devenir le prochain USB, hein, ce qui équipe aujourd'hui les principaux disques durs ou les imprimantes que nous avons ici à la rédaction? Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, donc Apple ne nous a rien dit, c'est que je ne peux pas croire que Thunderbolt ait été créé pour faire un système de stockage rapide. Thunderbolt est un excellent moyen d'alimenter un grand écran très haute définition. Oh! Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Ben regardez l'aspect. L'aspect Thunderbolt, c'est de faire du multimédia. On peut faire du son, on peut faire de l'image, on peut faire du réseau. Cédric? Et on peut aussi passer un très gros flux. Donc, et je peux le dire de manière aussi naïve, parce que Apple, voilà, quoi. Qui sont très, très compartimentés, ne nous ont rien dit à part sur le stockage. Donc, vous pensez que la prochaine télé d'Apple sera équipée Thunderbolt? Cédric? Mais c'est non. Le moment qu'ils veulent cuisiner, on en a tiens. Mais oui, mais non, parce que justement, elle sera intégrée, donc tu n'auras pas de problème de transfert à l'intérieur. C'est pour discuter avec l'extérieur, mettre du Thunderbolt sur une télé, rajouter du stockage. Non, si tu fais la télé, tu fais les services qui sont dedans, et donc tout est dans le cloud, parce que mamie à qui tu vas vendre une télé, elle va pas aller acheter un disque dur Thunderbolt. Je peux me tromper, mais oui, moi, Thunderbolt, il m'intéresse pour le connecter à un Mac et faire du montage sous Final Cut. C'est quoi le débit de Thunderbolt? Par rapport à USB 3, c'est la même chose que USB 2 et FireWire 400. Sur le papier, c'est quelques fois plus rapide, 3 ou 4 fois. Dans 3, la réalité, fois. C'est 10 fois plus rapide. C'est toujours la même chose. La spec est un peu meilleure, ouais. Mais d'un côté, c'est un vrai camion contre une petite voiture. Donc, dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus solide. Ça tient mieux la route. Sachant qu'on l'a vu avec le FireWire, on l'a vu avec le USB 2, il y a une maîtrise de la technologie. Et d'année en année, on voit les performances augmenter, hein, Philippe. Donc, Thunderbolt marche très, très bien en multidisque ou avec de la SSD. Ouais. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, il y a il y a très peu de disques durs, mais vos concurrents commencent à produire à Macworld la semaine dernière. Il y avait vos concurrents qui ont annoncé des disques durs. Non, il faut faire le boulot, les concurrents pipotent. Ils annoncent maintenant parce qu'on a sorti nos produits qui vont livrer la semaine prochaine. Et ouais. Vous oubliez chaque fois de dire quand finalement c'est disponible enfin à la Fnac 6 mois après, qu'ils sont foutus de votre gueule. Ouais. Ils ont annoncé que ce serait disponible la semaine prochaine et ne livreront pas avant avril ou mai. D'accord. Donc, j'espère qu'ils viendront dans ce podcast pour répondre à votre vile attaque, Philippe. On va passer au coup de cœur, messieurs. Allez, les coups de cœur, on commence par Cédric. Deux choses. Parmi toutes les startups que j'ai vues au Midem de Cannes, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Tonara. C'est une startup israélienne qui a fait une app sur iPad, T-O-N-A-R-A. En fait, c'est un système qui permet d'avoir des partitions. Si tu joues du piano, de la guitare, du violon, etc. Il y avait déjà des systèmes comme ça, des systèmes simples pour éviter d'avoir à tourner les pages à la main. Bah, alors, il y en avait qui te faisaient ça. Tu soufflais sur l'iPad, ça tournait la page. Non, Tonara, c'est génial parce que l'iPad t'écoute jouer. Te non. Montre où tu en es de ta partition, tu peux ralentir, non. Aller plus vite, et il tourne les pages tout seul. Mieux encore, il peut enregistrer ta performance et te permettre de la partager sur Facebook une fois que tu as fini. C'est proprement remarquable, l'appli est gratuite, le but c'est de te vendre des partitions derrière, mais c'est pas bien cher. Moi j'ai été très très impressionné. Il n'y a pas Kim Adventures là-dedans? Je sais pas, et honnêtement, je m'en fous. Je l'ai vu en démo chez eux, chez Kima. Non, mais ils sont passés à TechCrunch Disrupt aussi. Allez, on avance. Et deuxième chose,
là, le coup de cœur, c'est pour un garçon qui a posté une vidéo sur YouTube, vidéo dont j'ignorais entièrement l'existence, une vidéo montage sur la couverture média du lancement original de l'iMac, du premier iMac en France, 1998. Cela ne rajeunit pas, Cédric. Cela ne nous rajeunit d'autant pas, d'autant moins que dedans, il y a des vrais extraits de Cédric. Non. Donc, mais quel est donc ça, ce genou, Cédric? Mais alors, avec le maquillage, on dirait que j'ai 17 ans et demi. C'est absolument, c'est totalement remarquable. Mais il a commencé au berceau, dites-moi. Surtout, le plus impressionnant, c'est que dans l'émission de LCI où j'étais à l'époque chroniqueur, j'avais complètement oublié que pour le lancement de l'iMac, il y avait eu en plateau quelqu'un d'Apple, un Français, qui était venu parler de son produit. Un truc incroyable. J'ai recherché le garçon en question, parce que j'en avais oublié jusqu'à l'existence, il s'appelle Hugues Asman. Alors, contrairement au premier commentaire que je vois sous la vidéo YouTube, ce garçon n'est pas Monsieur X. Parce que Monsieur X est un ancien responsable d'Apple, et que Hugues Asman, j'ai vérifié sur LinkedIn, travaille toujours chez Apple. Absolument. Il travaille apparemment. Il sévit toujours. Il travaille apparemment dans le retail à Apple Europe ou un truc comme ça. Il n'y a plus grand-chose, hein, donc forcément. Mais voilà, c'était donc une époque bénie où tu pouvais appeler Apple en disant « Ah, on aimerait bien avoir quelqu'un pour parler de votre produit. » Et il venait en plateau. Et bien sûr, on va vous envoyer un responsable produit, il va venir vous en parler en plateau. C'est pour ça que vraiment, au tempora, au mores, la vie a changé depuis. Et puis, c'est rigolo de voir la couverture d'un lancement comme ça dans les sujets des JT, etc. Enfin, c'est un vrai bonheur, même si j'avoue que quand je me regarde à l'époque... Enfin bon, bref, tout ça n'est pas très grave. Bien, je vous invite à regarder, vous verrez, c'est les horreurs qu'il peut dire sur l'iMac, c'est honteux. Monsieur X, en coup de cœur ce soir. Alors moi je réclame autant de temps d'antenne que Rodrigo hein, sur les coups de cœur, donc je vais en faire trois. Oh, yeah. Mais ils vont être rapides. Alors le premier, c'est un accessoire qui est déjà sorti depuis un petit peu de temps sur iPad, mais que j'ai eu l'occasion d'essayer, qui s'appelle la Nomad Brush, en anglais dans le texte. Donc c'est un pinceau qui marche avec les logiciels de peinture et de dessin de l'iPad. C'est très sympa, très bien fait, et c'est une raison supplémentaire pour moi d'attendre l'iPad 3 avec impatience. Et puis le design vraiment du produit est très très beau, et sa réalisation est très qualitative. Donc Nomad Brush. Mon deuxième coup de cœur, c'est une personne, c'est John Rubinstein. Ah. John, tu es parti de chez Hewlett-Packard. Ancien vice-président d'Apple. Ancien VP hardware d'Apple. Passé par PAM et puis par HP, surtout par DPI. Donc, John, des papas de WebOS. Tu es disponible, reviens chez Apple. Ouais, je pense que tu pourrais refaire des produits magnifiques là-bas. Et puis, pour finir, un dernier coup de cœur, c'est l'action Apple en bourse. Hein, au moment où on enregistre et au moment où Tim Cook est dans la tourmente sur ces histoires de partenaires comme Foxconn en Chine, et l'action, elle s'en fiche. Elle a une santé insolente. Elle est à $456. Donc, pendant la tempête, la bourse continue. Ouais, le bateau continue à avancer, même s'il tangue un peu. Il a raison sur John Rubinstein, parce que, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un redoutable homme de produit. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est le truc qui manque aujourd'hui dans l'équation d'Apple. Il n'y a pas... Ça fait plaisir à Tim Cook, ce que tu dis là. Mais non, mais Tim Cook sait bien qu'il n'est pas lui-même un homme de produit. Il est un sublime mec de process et un très bon CEO, mais il manque quelque chose. Ou alors... À l'inverse, si j'étais Samsung, je sortirais le chéquier tout de suite et j'irais me payer John Rubinstein pour en faire un bon produit de guy et tout à coup pour mettre un visage sur ma marque. Voilà. Ton avis, votre avis, Philippe, Rubinstein, vous l'avez déjà côtoyé Ouais, j'avais complètement oublié de le revoir. C'est quelqu'un que je connais très bien. On était potes quand il était chez Apple. Je l'ai perdu de vue chez PAM. Il parlait, lui. La prochaine fois que je vais... en Californie, grâce à ce coup de cœur, je vais l'appeler. Il va falloir l'embaucher, hein, Philippe. je crois qu'il a une taille au-dessus de la mienne. Et en ce qui concerne Samsung, il faut oublier, quoi. C'est une boîte de Coréens, jamais ils ne pourront faire travailler un Américain. Les Japonais commencent, les Coréens en sont encore très loin. Pour le coup de gueule, j'ai été encore une fois déçu par Las Vegas. Les gens ne parlent que de marketing. Le CIS. Le CIS, je ne parle que de marketing, je vais recruter un autre rappeur ou un autre acteur pour aller faire un casque, ou je vais faire moins cher. Les gens sont comme paralysés devant Apple, en train de dire toute l'innovation ne peut venir que de chez Apple, tout ce qu'on peut faire c'est suivre et faire moins cher.
Le plus gros coup de gueule, c'est d'entendre les constructeurs de PC dire « Monsieur Intel, est-ce que vous pouvez nous faire un prix spécial sur le processeur pour Ultrabook, je crois que ça s'appelle, parce qu'il faut qu'on soit moins cher qu'Apple et que si vous ne faites pas un prix spécial, on n'y arrive pas. On ne peut pas définir toute une industrie en disant « Je souhaite être moins cher que l'innovant, mais je ne cherche plus à être innovant. » C'est ahurissant. D'accord, mais effectivement, mais on le vit, tu sais, au jour le, vous le savez, au jour le jour. Non, mais ils sont frileux, je pense qu'ils sont dans une démarche qui est nouvelle, qui est Apple sera l'innovation et on nous on suivra. Bien, mais c'est intéressant. Même Samsung se dit, je vais essayer de faire la même chose qu'Apple, mais je ne sais même pas de faire mieux. Ouais, bon, on a vu quand même qu'il y a des initiatives avec les avec des form factors différents en tout cas. Hein? Mais on va voir, on va voir. Et on espère que cette fameuse télé va arriver, parce que sinon on est tricard, hein? C'est clair. Dernier coup de cœur, c'est celui de Rodrigo. Eh ben, oui, moi, je vais vous conseiller de regarder l'excellente émission de l'excellent animateur Cédric Ingrand, qui est passé il y a 10 jours, vous a parlé de Uber. Moi, j'ai beaucoup testé Uber. Alors, Uber, c'est quoi? C'est une application pour votre iPhone qui vous permet de faire « Je suis là » sur une carte, premier touch, et qui dit « Oh, appelez un taxi ». C'est pas un taxi, c'est une limo, c'est une classe S. Clac. Et hop, vous voyez suivre le taxi qui arrive là où vous êtes, qui vient vous chercher. Et quand vous êtes arrivé chez vous, dans la foulée, vous recevez un mail avec l'itinéraire et la vitesse moyenne de votre parcours. Je trouve l'interface utilisateur vachement bien. Square fait la même chose. Quand vous payez avec Square, on vous envoie la photo du mec avec qui vous avez fait la transaction. Ça vous dit où vous avez fait la transaction. Je trouve que cette approche-là est extraordinaire. Et c'est un petit peu ce que je disais la semaine dernière avec Badou, qui utilise des capteurs en vous disant « je suis là » et la personne est un petit peu plus loin. Donc vachement bien. Le défaut, c'est que c'est très cher, mais c'est vachement bien. Deuxième coup de cœur. Je vous disais en préambule, je vous disais en préambule que je signais des deals en ce moment. Et moi, je n'ai pas de scanner, vous savez, pour scanner les documents que j'ai signés. Ouais. Comment que je fais? Comment que je fais? J'attends que la poste ouvre le matin et je vais au scanner en mettant un franc ou comme on faisait dans le temps? Non, c'est un photocopieur, ça. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. Non, ils font scanner maintenant. Ah bon. Et ouais, donc maintenant j'utilise un truc vachement bien qui s'appelle Doc Scanner. Ouais. DocScannerApp.com, qui est pour iPhone, qui vous permet de prendre en photo votre document. Vous dites, mais oui, mais ça le fait déjà. Là où c'est bien, là où c'est vraiment bien, c'est que vous pouvez prendre une photo ou plusieurs pages, souvent un seul document. Ça détecte les bords de votre page, ça redresse la page si vous avez pris la photo comme ça, ça corrige la balance des blancs, vous voyez si c'est un peu trop jaune, etc. Ça vous scanne l'OCR, et hop, ça vous balance tout, suivant votre choix, soit en format JPEG, soit en PDF, soit par mail, soit directement sur votre compte Dropbox. Donc c'est comme si vous aviez un scanner dans votre poche, c'est vachement bien. Formidable. Et ça vaut combien? Ah bah c'est pas très cher. D'accord. C'est fini pour les coups de cœur, Rodrigo. Bien, et mon côté, les coups de cœur, c'est plutôt un coup de gueule. C'est pour la dernière version de Final Cut Pro 10 qui a été présentée cette semaine. Je ne l'ai pas encore eu en main. On va me la présenter demain. Enfin, je vais faire un petit tour du côté d'Apple pour aller la voir. Donc, c'est bien, elle évolue. Hein, donc, on est assez contents. Nous, les utilisateurs de Final Cut Pro, notamment dans ce podcast, on continue à utiliser l'ancienne version. Pourquoi? Parce que la nouvelle version Final Cut Pro 10 ne gère pas les anciens projets. Donc, en clair, on est obligé de continuer avec l'ancienne version. Et ben, cette nouvelle version ne gère toujours pas les anciens projets. Donc, il n'y a pas de progrès de ce côté-là. Il y a un progrès quand même au niveau de la gestion du multicam qui va nous aider à refaire le Mac, notamment pour gérer plusieurs caméras. Grave. Mais c'est encore perfectible, malheureusement. Heureusement, ça s'appelle 7210 ou 7-2X, ça dépend. For Final Cut Pro est arrivé. C'est un petit utilitaire signé par Gregory Clark. Ça coûte 7,99€ et ça permet de faire ça. Ça montre que c'est possible et que pour Apple, ce ne serait pas très compliqué de le faire en clair, récupérer ses anciens projets. Final Cut Pro 7 dans Final Cut Pro 10. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 89e déjà épisode de Renfait le Mac. Vous retrouvez Cédric Ingrand dès samedi dans plein écran. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Cédric? Eh bien, toutes les startups de la musique rencontrées au Midem de Cannes qui vont filer. Tu l'as déjà dit. Voilà. Tu as parlé de Spotify, j'espère. Il y a le patron des contenus de Spotify qui est dans l'émission. Ah, il parle, c'est formidable. Vous retrouvez Rodrigo, vous retrouvez Monsieur X, je suis perturbé. Chaque semaine, dans sa cuisine, dans Renfait le Mac, mais également, ben je sais pas, mais également sur Twitter, @TrueMisterX, vous retrouvez Rodrigo sur son blog et sur Twitter, @Rodrigo. Et ça coûte $5, hein, Doc Scanner. Oui, et ben voilà, formidable. Et merci à Philippe Sprour, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. On se retrouve, vous revenez quand vous voulez, Philippe, c'était un plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.